Right. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Bonjour à tous, bienvenue de nouveau pour cette session de la réunion annuelle 2022 de l'Alliance. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette session qui est le Hot of the Press. Je suis là avec mon équipe qui est dans le monde entier. J'espère qu'un jour, on se retrouvera tous ensemble en face à face, mais c'est une très belle opportunité d'être avec eux aujourd'hui. Camila, la co-animatrice de l'Alliance, sera avec moi aujourd'hui. Elle m'aidera pour animer cette session. Bienvenue à tous. Nous avons une très belle équipe de production avec nous qui va pouvoir poster cette question dans le chat. J'aimerais savoir si vous savez combien et quels sont les groupes de travail de l'Alliance, ainsi que les différentes forces opérationnelles. Donc, je vais vous donner quelques secondes et ensuite je vous donnerai la réponse. Je vois qu'il y a des réponses qui commencent à arriver, doucement mais sûrement. Je vous donne encore quelques secondes. Je ris parce que c'est intéressant de voir que tout le monde interagit ensemble avec cette question. Très bien. Alors, je vais vous donner la réponse. Donc, nous avons 4 groupes de travail et 7 task force. Alors, il ne s'agit pas de nombre, mais c'est seulement pour vous rappeler que l'Alliance est constituée de plusieurs composantes, mais nous sommes tous très heureux de vous parler constamment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les task force et les groupes de travail. Ce sont les groupes donc d'évaluation et d'apprentissage, de développement, tandis que les task force se concentrent un peu plus sur d'autres éléments, notamment une approche sur le travail des enfants, par exemple, une qui travaille sur les enfants qui sont victimes de conflits armés, enfin impactés, et plusieurs autres task force. Voilà les différents groupes qui composent l'Alliance. Pour entrer dans cette session rapidement, nous allons maintenant entendre Michel Fanatin nous parler de travail de prévention. Michel, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Elena. Je vais essayer de rester dans mes 4 minutes. Si vous êtes venu l'an dernier, vous vous rappelez certainement que le thème était la prévention. Donc, nous sommes très heureux cette année de publier le premier cadre pour la prévention primaire, pour la protection de l'enfant. C'est un cadre qui cherche à donner aux travailleurs humanitaires des guides sur les actions clés et les considérations pour mettre en œuvre de la programmation pour empêcher les enfants de subir des dangers. Donc, qu'est-ce que l'on veut dire par cela? Donc, ceux qui ne se souviennent pas forcément de l'an dernier, nous cherchons à empêcher les dangers au niveau primaire, c'est-à-dire que l'on vise tous les enfants au niveau donc primaire, en opposition à la prévention secondaire qui travaille avec des groupes d'enfants à haut risque
ou bien des enfants qui ont déjà subi des résultats. Donc, on voit effectivement la prévention primaire sur cette pyramide inversée. On voit que le cadre de prévention est organisé en fonction de la gestion du cycle du programme. Les actions clés sont prises en compte en fonction du cycle du programme, en partant de la préparation à l'évaluation et à l'apprentissage. Cela n'est pas un guide complet, mais plutôt vous indique comment avoir une approche de prévention dans la programmation de protection de l'enfance et prendre en compte toutes les étapes au fur et à mesure. Diapositive suivante. Cette ressource souligne les 8 principes pour une prévention primaire efficace, c'est-à-dire avoir une approche multisectorielle holistique, faciliter le leadership communautaire et bien d'autres. Donc, tous ces 8 principes doivent être appliqués à toutes les étapes du cycle de programmation et dans toutes les interventions. Cette ressource est disponible en arabe, en français, en anglais et en espagnol, en plus de ce cadre de prévention qui nous aide à développer des programmes de prévention et d'évaluation. Nous avons également développé avec le groupe de travail apprentissage et développement. Ils ont développé donc un paquet introductif d'apprentissage. Il vise à renforcer la compréhension globale des participants de la prévention primaire, et cela peut être fait en une journée ou en 3 sessions en ligne si cela est fait à distance. Tout est inclus. Le lien se trouve dans le chat maintenant et vous pouvez contacter le groupe de travail apprentissage et développement, donc Elena et Katie, si vous avez des questions. Nous espérons que vous trouverez ce cadre utile. Et demain, si vous nous rejoignez, nous avons des actualités enthousiasmantes sur ce qui va se passer pour ce groupe de travail. Merci beaucoup. Si vous ne voyez pas le lien vers ce paquet d'apprentissage introductif, c'est parce qu'il faut que nous y autorisions l'accès. Mais en tout cas, vous trouverez cela sur le site web. Je vais maintenant donner la parole à Amanda, qui est notre collègue du groupe de travail plaidoyer. Merci beaucoup. C'est super d'être ici. Je suis très heureuse de faire partie de cette session d'actualité. Dans mes 4 minutes, je voudrais vous présenter quelques recherches récentes sur lesquelles le groupe plaidoyer a travaillé sur le financement pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Il y a un lien dans le chat pour en savoir plus. Nous savons que la protection de l'enfance est sévèrement sous-financée. Il est difficile de savoir ce qui se passe. Donc, cette étude permet de voir ce que nous, en tant que secteur, avons évalué. Nous savons que la crise humanitaire affecte les enfants de manière disproportionnée. Nous savons également, et cela est très clair, qu'en 2020-2021, nous avons vu énormément d'augmentation en termes de besoins par rapport à la protection de l'enfance liée à la, par exemple, crise climatique qui impacte beaucoup les enfants, le déplacement, la pauvreté, etc. Nous avons été très heureux de faire une 3e version de ce rapport. Il couvre plusieurs parties. La première partie parle des tendances et des mises à jour sur les nombres. Nous avons des données sur le financement,
dans les plans de réponse et les plans adressés aux réfugiés. The Alliance, Save the Children, l'UNHCR et le domaine de responsabilité protection de l'enfance ont participé. Tout le monde nous a fourni des données pour analyser les tendances. Et dans la deuxième partie du rapport, il y a des manières d'aborder le financement, encore une fois, autour de la localisation, cette fois-ci, la programmation intégrée multisectorielle dont on parlera plus tard aujourd'hui. Et cela reflète exactement le ciblage des besoins. Que nous dit ce rapport? Diapositive suivante. Deux choses principalement. Tout d'abord, de manière positive, on voit que les niveaux de financement pour la protection de l'enfance dans les situations humanitaires augmentent. Nous voyons également qu'il y a de meilleures collectes de données pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe, même s'il y a encore des défis à ce sujet. Mais le résultat principal que l'on voit et que l'on remarque aussi cette année en 2022, c'est que le fossé entre les besoins en protection de l'enfance et le financement reçu pour les réponses humanitaires ont continué à augmenter malheureusement de manière alarmante en 2020 et en 2021. Donc les financements augmentent, mais pas suffisamment pour satisfaire les besoins des réponses humanitaires. Il faut donc travailler encore plus dur. Voilà le message principal. On sait qu'il y a une augmentation des profils des enfants dans le besoin de protection au niveau mondial. Et pour la suite, nous avons un appel à action avec 6 points principaux. C'est un plan d'action pour nous dans le secteur humanitaire, mais également pour les donateurs et les gouvernements, de façon à ce qu'ils s'attaquent à ce problème, ce fossé donc entre les financements et les besoins. Donc, regardez, lisez ce rapport et n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Merci, Amanda. Je vais maintenant donner la parole à notre collègue, donc Katie. Merci, Elena. Nous avons deux choses à présenter. Tout d'abord, le paquet d'apprentissage pour débuter. C'est un paquet qui remplace la version de 2014 qui a été développée par un autre groupe de travail. Cela cherche à aider les nouveaux membres rapidement à prendre connaissance des compétences minimums nécessaires pour travailler d'une manière professionnelle avec des enfants, des familles et des communautés. Cela a été conçu pour être fourni en différents modules, soit en face à face, soit à distance, pour le paquet en direct. Cela dure 3 jours. Mais cela peut être modulable. Et lorsque cela est facilité à distance, nous recommandons que cela se passe sur des différentes sessions de demi-journée. Cela est disponible en anglais, français, espagnol, arabe, polonais et ukrainien. Et tout cela est disponible sur le site de l'Alliance. En termes de cartographie des ressources de l'apprentissage, c'est quelque chose de nouveau sur lequel nous travaillons. Nous essayons de rassembler des informations sur toutes les ressources d'apprentissage liées à la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Donc, nous avons des paquets d'apprentissage, des courses en ligne et des cours ouverts. Donc, nous avons des événements facilités qui rassemblent des groupes de participants en personne ou bien en ligne grâce à une plateforme vidéo. Les cours en ligne comprennent différentes
différents modules qui peuvent être remplis en ligne et les cours en ligne ouverts sont des cours que vous pouvez prendre à votre rythme et qui sont adaptables en fonction de l'audience. Tout ce qui est compris dans la cartographie est disponible. Il y a trois façons dont nous espérons que cela est utile. Tout d'abord, cela nous aide à mieux comprendre les manquements, les fossés en termes de connaissances, par exemple. Donc, cela peut servir à guider les futurs investissements. Cela pourra aider nos efforts de plaidoyer. Cela est utile pour également pour voir ce qui doit être traduit ou ce qui doit être mis à jour. Et cela est encore une fois disponible sur le site de l'Alliance. Nous vous encourageons à l'utiliser si vous cherchez développer des nouvelles ressources d'apprentissage en protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Merci beaucoup, Cathy. Nous allons maintenant entendre... Alors, ce ne sera pas Colleen Fitzgerald, mais nous allons maintenant entendre une vidéo de Colleen qui va parler d'un outil, une boîte à outils sur le bénévolat. Si vous pouvez donc maintenant lancer la vidéo. They are our neighbors. Ce sont nos voisins, nos amis, des gens qui écoutent, des interprètes, des guides. Ils remarquent lorsque nous avons des problèmes, ce sont les premiers à répondre. Ils nous ouvrent des portes et lorsque nous nous rendons dans de nouveaux endroits, ils sont là avec nous, à nos côtés. Ils sont appréciés dans nos communautés, travaillant toute la journée pour des enfants comme nous. Ils comprennent, ils nous conseillent. Ils nous encouragent et nous soutiennent. Parfois, ils prennent des risques pour nous. Ce sont nos interprètes, nos traducteurs. Quand personne ne comprend, ils nous aident à résoudre nos problèmes. Ils nous écoutent avec de la confiance. Ils sont avec nous pour que nous puissions être courageux. Ils nous aident à rester en sécurité. Ils sont bien plus que de simples voisins pour nous. Ils font attention à nous. Ils nous autonomisent et nous protègent. Ils nous mettent en valeur et nous les mettons en valeur. Cette année, plus que jamais, les bénévoles ont joué un rôle vital pour la protection de l'enfance. Pour ceux qui travaillent dans les contextes humanitaires, nous savons que les bénévoles sont tout à fait essentiels. Ce sont les ponts entre les enfants et les familles qui sont affectés par les urgences et les organisations de protection de l'enfance. Nous ne pourrions pas travailler sans eux. En même temps, nous savons également que très souvent, les rôles et les responsabilités des bénévoles ne sont pas clairs. Et cela est particulièrement le cas lorsque l'on parle de gestion au cas par cas. Nous savons que les bénévoles travaillent de très longues heures, souvent avec très peu de rémunération ou d'incitation. Et cela est une situation très compliquée. Pour aborder cette complexité, nous, l'Alliance, avons créer de nouvelles ressources mondiales, une boîte à outils pour les volontaires, donc les bénévoles de la protection de l'enfance communautaire. Ces ressources se concentrent sur le rôle de ces bénévoles dans la gestion au cas par cas et il y a également beaucoup d'informations et de conseils dans le manuel de formation qui peuvent être utiles pour les organisations pour former de nouveaux bénévoles. Dans la boîte à outils, nous avons établi des normes éthiques pour les rôles et les responsabilités des bénévoles. Nous avons souligné que le travail professionnel est seulement pour les salariés. Les bénévoles communautaires sont là comme un rôle de soutien. Souvent, il y a par exemple des interprètes. C'est la responsabilité des organisations de protection de l'enfance de fournir de la supervision, de la formation continue et du coaching pour ces bénévoles communautaires et leur donner
une rémunération juste pour ces longues heures. C'est la responsabilité des organisations également de s'assurer de la sécurité et du bien-être de ces bénévoles. Nous savons que souvent, il peut être compliqué de travailler dans ces communautés. Nous avons des outils très pratiques dans cette boîte à outils, qui sont souvent des documents Word, qui sont adaptables. Il y a des modèles très fonctionnels, prêts à être utilisés. Donc, nous avons une description du rôle du bénévole, un code de conduite, une liste de contrôle de sécurité et de bien-être, une sélection de bénévoles et une liste de contrôle de budget, ainsi que de nombreux autres outils qui peuvent être très utiles dans votre travail avec les bénévoles. De plus, dans le manuel de formation, nous avons trois parties principales. La première partie se concentre sur le fait de guider les bénévoles pour qu'ils comprennent la communauté, à partir de là, qu'ils puissent donc travailler à la gestion des cas par cas. Dans cette première session, nous avons également des conseils sur la sécurité et le bien-être, ainsi que sur la manière de travailler au mieux en tant qu'équipe. Nous avons également des sessions sur la communication avec les enfants et les familles et comment gérer les différentes dynamiques de pouvoir. Et troisièmement, nous avons une session pour les équipes de gestion de cas pour savoir comment travailler au mieux avec les familles. Je suis heureuse de dire que ces ressources sont disponibles sur le site de l'Alliance en anglais et en français. Nous allons maintenant copier le lien dans le chat et ces deux documents sont actuellement en train d'être traduits en arabe et en espagnol. Cela devrait être prêt le mois prochain. Nous travaillons également à des propositions. Nous espérons avoir des financements de la part des bailleurs de fonds pour pouvoir répandre ces ressources. Nous souhaitons avoir des formations de formateurs de façon à vous former à ce manuel et à cette boîte à outils pour que vous puissiez ramener ça dans vos bureaux pays. Donc, restez connectés, nous vous en dirons plus à l'avenir. Belle journée à vous et j'espère que la réunion se passera bien. Merci Colin, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et je vais maintenant donner la parole à Giovanni, qui est notre collègue et qui travaille sur la task force des enfants en besoin de protection victimes de conflits armés. Merci Elena. Cette année, la task force CAFA a lancé des ressources dont nous aimerions parler aujourd'hui. Tout d'abord, la boîte à outils de développement de programme CAFAG, qui a été développée par l'UNICEF et Plan International en 2021, a été lancée cette année. La boîte à outils est disponible maintenant sur le site de l'Alliance, dans les quatre langues principales. Cela comprend des conseils sur comment développer des programmes adaptés, ainsi qu'un paquet de formations et des outils. Avant d'être finalisée, la boîte à outils a été testée dans quatre pays, le Burkina Faso, la République centrafricaine, une partie d'Afghanistan et l'Irak. Dans tous ces pays, nous avons pu faire une évaluation de contexte. Nous avons mis en œuvre des formations de 4 jours pour les praticiens. Nous avons ensuite fourni un soutien technique à distance. L'analyse de contexte a compris une évaluation des risques, une analyse du genre, ainsi qu'une analyse des parties prenantes, ainsi que des lignes directrices sur la façon de conduire des communications avec les enfants. L'analyse de contexte était également très importante car elle a permis aux praticiens d'avoir une compréhension complète du recrutement et d'en savoir plus sur les tendances et les nouveaux groupes armés. Et cela permet d'en savoir également plus sur les défis auxquels font face les enfants dans leur intégration. La prochaine étape a été donc celle du déploiement. Le Mozambique,
la Colombie et le Nigeria ont été sélectionnés pour déployer ce programme. Cela comprendra une analyse de contexte, de la formation supplémentaire, un soutien technique, et cela sera terminé en 2023 avec des mesures, des résultats pour savoir comment s'est passé le déploiement et pour en savoir plus sur la qualité des programmes, l'utilité et la participation des enfants. La prochaine ressource que vous voyez donc est donc un guide opérationnel pour négocier et mettre en œuvre des protocoles de transfert avec les CAFAG. Cela a été développé par Watchlist et a été lancé en mars 2022. C'est un guide qui fournit aux praticiens des outils pratiques pour soutenir le développement, la mise en œuvre de protocoles de transfert. Cela donne également des informations sur des négociations en cours et précédentes et sur la mise en œuvre de processus de transfert dans différents pays. De plus, le guide opérationnel cherche à soutenir les acteurs de la protection de l'enfance ainsi que les praticiens dans plusieurs activités, comme par exemple initier et étudier les stratégies de protocole de transfert. Cela cherche à étudier également les CAFAG qui sont en détention et cela permet également de renforcer les accords. Voilà de mon côté, je redonne la parole à Elena. Merci. Merci Giovanna. Très intéressant. Maintenant, pour terminer, donc Simon, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je vais poster dans le chat le lien. Donc, le but pour cette année, donc, nous avons la version MENA. De la boîte à outils qui a été lancée l'an dernier. Et donc, prévenir et répondre au travail des enfants dans l'action humanitaire. Et nous avons également un paquet d'apprentissage en ligne pour le CPMS 12 qui a été développé en ligne. Je l'ai partagé également sur le lien que vous trouvez dans le chat. Ces deux ressources sont disponibles peuvent être trouvés sur la page de la Task Force Travail des enfants. Je vous invite donc à aller voir les ressources ainsi que les études de cas que nous avons. Nous continuons également le déploiement de la boîte à outils dans certains pays et nous regardons comment nous pouvons soutenir nos membres de la Task Force dans les régions. Je vais donc rester très court. Voilà, merci. Je savais que vous arriveriez à rester concis pour la réunion. Merci beaucoup. Donc, toutes ces ressources qui ont été partagées, alors je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'était cette opportunité là, dans la session d'actualité, de voir le travail qui a été réalisé au sein de l'Alliance. Tout est disponible sur notre site. Si vous n'y avez pas accès, vous pouvez tout de suite nous contacter, nous demander pour avoir accès aux ressources. Je voudrais maintenant tout d'abord remercier tous les orateurs qui ont fait partie de cette revue de presse. Vous pouvez bien entendu rester en ligne. Sinon, nous allons maintenant voir les prochains orateurs. Donc, nous allons maintenant avoir une table ronde. Et avant de se faire, prenez le temps un peu de vous étirer, de bouger. Ici, pour rester concentré
afin que l'on puisse ici respirer, parce que maintenant, l'objectif va être tout simplement de rencontrer l'équipe de l'Alliance et de parler justement ici avec nous s'agissant de la programmation intégrée multisectorielle et d'échanger avec donc les membres de l'Alliance présents aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un lien va être partagé dans la boîte de discussion et c'est une question qui vous est posée. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, c'est important de parler de ces programmes multisectoriels et intégrés? Alors ici, peut-être juste en quelques mots, si vous pouviez partager ici avec nous ces informations en utilisant le lien. Et en attendant, je vais demander aux intervenants de se présenter, donc les intervenants de cette session. Et je vais tout de suite passer la parole à Chiara. Chiara, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Chiara et je travaille pour le groupe ici, de groupe de travail sur les normes minimum. Merci Chiara. Et ensuite, Sylvia peut-être? Sylvia? Bonjour, bonjour à tous. Je suis Sylvia Ognaté. Je fais ici avec Simon Hills dans cette task force ici sur la protection de l'enfance. Bonjour à tous. Merci Sylvia. Alors le lien est maintenant dans le chat, donc allez-y. En quelques mots, comme je le disais, une phrase maximum. Si vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que c'est important ici d'avoir ces programmes intégrés ici et multisectoriels. Donc nous continuons. Bonjour à tous, je suis Amanda Bryden et je travaille ici dans un partenariat avec le groupe de travail avec Save the Children. Et Sandra, bonjour à tous. Sandra, je travaille pour Plan International et en tant que conseiller protection de l'enfance et je travaille avec Giovanna. Merci. Alors, je suis désolée, je pense que côté lien, on n'y est toujours pas dans la boîte de discussion, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Alors, ce n'est pas grave, on va pouvoir... Ah, ben si, voilà, donc ce plan. Donc voilà, notre question était, donc, d'où venez-vous? Alors ici, s'agissant de voir... où vous êtes situé. Amanda, côté Alliance, vous pouvez peut-être nous aider à mettre cela en contexte, bien sûr, s'agissant de l'importance. Nous savons tous que nous pouvons ici atteindre des objectifs en matière de protection de l'enfance dans un secteur. Cependant, la vie n'est pas faite de silos, ni pour nous, ni pour les enfants. Donc, je pense que justement, dans ce cadre-là, il faut s'assurer que nous pouvons travailler ensemble avec différents secteurs pour pouvoir permettre d'atteindre les meilleurs résultats possibles pour les enfants. Je vous remercie. C'était très clair, bref et succinct. Alors, ici, je vois une bonne répartition, comme vous pouvez le voir sur cette carte. De participants et rentrons donc dans le vif du sujet.
Dans le cadre de cette discussion, nous allons revenir peut-être sur les questions que vous voulez nous poser. Pour ce faire, pour vous nous poser vos questions, merci d'utiliser la boîte de discussion. Nous pourrons ainsi répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, donc. Il n'y a pas ici de questions bêtes, donc n'hésitez surtout pas. Toute question est bonne à prendre. Et en attendant, je voudrais demander à nos intervenantes aujourd'hui de peut-être nous expliquer ici quelles sont les réussites en matière de programmes multisectoriels et intégrés, s'agissant de cette collaboration multisectorielle et d'intégration. Chiara, est-ce que vous voulez commencer, s'il vous plaît? Merci. Alors, s'agissant de notre groupe de travail sur les normes en matière de protection de l'enfance, alors c'est vrai qu'ici nous travaillons afin que les enfants soient au centre de l'aide humanitaire des différents programmes. Nous avons différentes activités ici qui cherchent notamment à renforcer les éléments de preuve dans les différents secteurs, développer ici des programmes d'apprentissage, le développement aussi des outils de test, et nous avons également et bien différents programmes afin d'intégrer un maximum de parties prenantes, que ce soit de travailler avec des ONG comme Plan International et Save the Children. Et à la fin de 2021, nous avons mené des consultations avec notamment la participation de près de 400 parties prenantes de l'ensemble des secteurs, différentes régions, niveaux, des acteurs locaux, des ONG, des agences onusiennes. Et dans le cadre de cette consultation, l'objectif avec les collègues était d'obtenir des informations en matière de santé, d'éducation, de sécurité alimentaire, de coordination de camps et de gestion des camps. Alors, nous avons également vu dans le cadre de cette consultation de peut-être mieux entendre les acteurs de ces différents secteurs en matière des réfugiés, d'aide humanitaire, comprendre quelles étaient les barrières, les opportunités, les priorités. Regardons les résultats. Cela nous a permis de développer un cadre intersectoriel qui nous donne ici quelques idées en matière de protection, notamment avec des domaines clés sur lesquels il va falloir se concentrer à l'avenir pour atteindre vraiment notre objectif afin de garantir l'institutionnalisation du bien-être et de la protection des enfants ici pour tous les acteurs humanitaires à travers l'ensemble des secteurs. Ce sont des domaines qui ont été ici développés en accord avec les différents secteurs, en se basant sur les compétences, les outils pratiques, le plaidoyer commun, l'apprentissage et la coordination et coopération. Je vous remercie. Merci, Chiara. Et c'est vrai que vous avez souligné cette possibilité de contribuer, évidemment, à ce travail. Je pense que ici, cet aspect de contribution, d'engagement est absolument essentiel. Sylvia, est-ce que vous voulez peut-être également revenir sur votre groupe de travail? Ici, le groupe de travail sur le travail des enfants. Peut-être des exemples de succès, des études que vous avez menées. Je vous passe la parole, Sylvia. Merci, Elena. Alors, tout d'abord, comme cela a été dit, c'est vrai que la nature très complexe du travail des enfants requiert
une coordination et une collaboration solide entre les différents acteurs humanitaires et de développement à travers différents secteurs. Les acteurs de la protection de l'enfance, évidemment, sont centraux. Cependant, des acteurs d'autres secteurs doivent également faire évoluer leurs priorités afin de répondre et de protéger les enfants. Je voudrais donc donner un exemple avec le développement de notre boîte à outils inter-agence, prévenir et répondre au travail des enfants dans l'action humanitaire qui a été développée par le CLTF. Et c'est un exemple ici de collaboration entre différentes agences, mais aussi entre différents secteurs. Nous avons, dans le cadre de cette boîte à outils, réussi à impliquer près de 150 ici personnes, plus de 30 agences, pour collecter les meilleures pratiques. Et cette boîte à outils est pour les praticiens du domaine de la protection de l'enfance, mais pas seulement. Et dans cette boîte à outils, on retrouve par exemple une stratégie, des interventions multiniveaux, y compris l'accompagnement psychosocial et avec des actions de prévention et de réponse pour chaque secteur. Et nous avons également ici différents axes d'apprentissage en matière de travail des enfants qui ciblent plus particulièrement les praticiens dans différents secteurs. Et c'est important pour nous dans cette lutte contre le travail des enfants. Donc, c'est ce que nous avons développé ici dans notre groupe de travail sur le travail des enfants. De même, vous avez demandé si nous avions des outils pratiques ou des études de cas. Nous avons différents exemples. Alors, je ne vais pas ici nécessairement les détailler parce que nous n'avons pas le temps, mais nous avons coopéré en matière ici de sécurité alimentaire l'année dernière et nous avons développé ici une enquête, notamment sur comment limiter le travail des enfants dans un contexte de crise humanitaire dans le domaine de l'agriculture. Nous avons eu un événement en parallèle organisé lors de la conférence de la FAO l'année dernière. Il y a également différentes études de cas en matière de programmation des pratiques qui ont été documentées. Nous avons aussi travaillé sur les services multisectoriels pour les enfants qui travaillent au Liban, dans les rues, et ça a été vraiment en réponse à la crise en Syrie. Et c'est un programme ici qui propose différents services de protection à l'enfance, avec notamment des services mobiles, de travail avec les employeurs, avec le travail avec les enfants qui travaillent pour qu'ils aient un meilleur accès à l'éducation, à la formation. Et un autre exemple en Syrie, notamment ici, il y a différents programmes comme WASH et Cash for Work pour les adolescents. Un programme développé en collaboration avec les collègues de la protection de l'enfance après avoir reconnu qu'il y avait un réel problème pour le travail des adolescents, surtout s'agissant du manque de sources financières alternatives. Il nous a donc paru important de pouvoir discuter de ces opportunités financières et économiques et vous pouvez ici en apprendre plus sur ces deux exemples de succès, sur les ressources dans cette boîte à outils et le microsite que nous avons créé, où vous retrouverez différents outils pratiques destinés à promouvoir la collaboration multisectorielle. Ces outils peuvent être utilisés par différents secteurs. On retrouve notamment certains outils permettant d'identifier le travail des enfants, comment signaler
ces activités et les éléments pratiques sur le travail des enfants, comment ici répondre, quels sont les messages clés pour les enfants, pour la communauté, pour les parents, pour les employeurs, en fonction du contexte. Et je pense que ce sont des éléments qui sont importants pour tous les groupes ici qui sont au contact directement du travail des enfants. Je vous remercie et je partagerai donc ce lien dans la boîte de discussion. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un commentaire dans le chat sur le travail des enfants dans les mines aussi. Donc, vous pouvez peut-être échanger avec cette personne. Amanda, même chose, même question pour vous par rapport à cette programmation. Eh bien, je pense qu'ici, on pourrait souligner pour ceux qui ont participé à la session précédente, lorsque nous avons parlé de la recherche, eh bien, lorsque nous parlons de financement, eh bien, nous avons aussi ici différents programmes intégrés. Les défis sont nombreux. Et c'est important de voir et d'avoir un suivi de ces financements. Pour cela, il faut des données. Nous avons vu que le financement ici a augmenté. Il faudrait voir également, eh bien, voir si dans le, si dans d'autres secteurs, c'est une augmentation aussi qui a été constatée, toujours en matière de protection de l'enfance. Merci, Amanda. Peut-être d'autres initiatives au sein de l'Alliance qui peuvent être mentionnées avant de passer aux questions. Donc ici, qu'a-t-on en cours côté Alliance? Sandra, vous voulez peut-être commencer? Ici, vous faites partie de la task force du groupe sur les enfants associés aux forces armées non étatiques. Alors, nous avons ici le développement de deux notes d'orientation afin de promouvoir la collaboration avec les autres secteurs pour ici éviter le recrutement des enfants et ici notamment aider à la réintégration de ces enfants. Nous avons mené pour ce faire une enquête en ligne. 45 praticiens ont répondu à ces questions, à cette enquête, et les résultats montrent que deux secteurs sont clés sur lesquels il va falloir se concentrer. Les secteurs sont l'éducation et également la santé. Donc, c'est important. Ce sont des notes d'observation. Et nous allons devoir nous concentrer sur la validation de certains concepts et termes, éliminant le jargon. Alors, je sais que c'est important. C'est vrai que parfois, eh bien, on parle de la même chose, mais on appelle ça différemment. Il y a beaucoup de jargon dans ce domaine de la protection de l'enfance et ce n'est pas toujours très clair pour les autres secteurs. Donc, c'est vrai qu'il serait intéressant ici de justement pouvoir rester clair dans les termes utilisés. Et puis, nous utiliserons également des domaines ici d'intérêt commun sur la façon dont on peut travailler. Et nous espérons avoir aussi des éléments importants qui seront partagés entre les secteurs. Et nous allons donc inclure le partage ici de ces cadres avec des indicateurs communs. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'on doit parler des résultats, parce que c'est plus facile voir ce que l'on veut atteindre et comment est-ce que l'on peut avoir les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est ainsi que l'on peut échanger, travailler. On voudrait aussi inclure des études de cas, des exemples et des recommandations pratique. Donc voilà ce qui est prévu ici pour ce groupe de travail, cette task force. Merci beaucoup.
Et de même, nous savons qu'il y a également d'autres activités. Chiara, par rapport à votre groupe de travail, ce que vous avez prévu ici de mettre en place sur les normes? Oui, absolument. Tout d'abord, nous voulons évidemment travailler avec les autres secteurs, notamment sur l'apprentissage, la sensibilisation, notamment en matière d'éducation, de formation, sur les normes onusiennes en la matière, et ensemble partager des exemples positifs, des exemples ici qui fonctionnent. Et ici, nous avons notamment des vidéos qui seront prêtes au mois d'août et qui seront ensuite traduites en français, espagnol et arabe. Nous allons aussi développer différents modules électroniques, donc modules en ligne ici pour ce pilier 4. Et de même, toujours sur la formation, une autre initiative qui me paraît intéressante, qui est menée ici sur les stratégies en matière ici de ce groupe de travail CPAOR sur 4 domaines, donc le mainstreaming, la protection de l'enfance, la participation des enfants et également l'identification et les signalements. Donc ce sont des coopérations qui sont importantes parce que nous parlons de ce lien aussi avec l'éducation et avec Plan International, nous allons également développer d'autres initiatives. Et puis, après l'été, donc à l'automne, nous nous concentrerons sur le test d'outils opérationnels pour développer des pratiques basées sur les pays. Et enfin, nous travaillerons aussi avec le HCR afin de revenir et d'échanger avec un spécialiste en matière de mainstreaming de la protection de l'enfance pour renforcer ici les résultats, y compris les plans de réponse, les politiques et nos stratégies en la matière. Je pense qu'un élément qui est important ici et que je retrouve dans toutes ces différentes interventions, c'est-à-dire qu'ici, on cherche à travailler vraiment avec tous les collègues des autres secteurs. Amanda, vous pouvez peut-être vous aussi revenir sur le groupe de travail ici, votre groupe de travail, ce qui va se passer dans les mois à venir. Bien sûr. Alors, nous avons une nouvelle stratégie ici, conforme avec la nouvelle stratégie de l'Alliance. Nous avons donc mis à jour notre plan de travail qui maintenant prend en compte les impacts ici des interventions intégrées multisectorielles. Donc, comme Chiara l'a très bien dit, nous allons avoir cette coopération avec ici Plan International et le groupe de travail CPMS. Ici pour collecter des exemples de succès, des bons exemples ici d'intégration, mais aussi des opportunités manquées. Et en tant que groupe de travail, on pourra passer cela en revue pour identifier les leviers de succès, identifier les messages clés, travailler entre les différents réseaux. Donc ce sont des éléments qui paraissent importants et promouvoir par conséquent l'importance et la valeur de ce travail coopératif et de ce travail holistique. Un deuxième élément concerne ici le plaidoyer sur la recherche, sur l'impact ici de la fermeture des écoles
Et je sais que nous allons revenir cet après-midi. En fin d'après-midi, ce sera notre dernière session sur l'impact de la fermeture des écoles. Et nous allons donc travailler avec différents collègues afin de formuler ici différentes tables rondes internationales, y compris avec les organisations locales et nationales, notamment en RDC, au Liban et en Colombie, avec des jeunes, avec des praticiens de l'aide humanitaire, des agences de développement, pour comprendre justement quels sont les domaines clés entre les différents secteurs et comment voir la mise en œuvre d'initiatives qui pourraient ici promouvoir une meilleure coopération. Nous allons aussi avoir différentes consultations sur une meilleure compréhension des barrières et de comprendre quels sont les défis actuels. Sandra et d'autres l'ont mentionné. C'est vrai qu'on a parlé de ce jargon, de ces concepts qui sont parfois compliqués, donc identifier tout simplement ces barrières, échanger avec les collègues pour mieux comprendre ici, lorsqu'il y a des succès, et c'est essentiel ici. Et donc, n'hésitez pas si vous souhaitez obtenir d'autres informations complémentaires ou si vous voulez participer. Alors, c'est sûr qu'il nous reste encore différents obstacles à surmonter pour atteindre cet objectif qui est le nôtre, qui est ambitieux, qui a été donc fixé par l'Alliance. Mais je dirais qu'au-delà de tout ce travail, Sandra, alors pour vous, quels devraient être les changements essentiels pour atteindre ces objectifs et cette priorité? Quels vont donc être les changements? Je sais que c'est une question difficile ici. Eh bien, je pense que lorsque l'on a lancé cette enquête, nous avons aussi demandé aux praticiens quelles étaient les opportunités, les défis qui pouvaient évoluer ou devaient évoluer. Et dans le cadre des réponses que nous avons obtenues, et c'est ce que nous avons vu en pratique aussi sur le terrain très souvent, en fait, on voit le besoin de beaucoup plus d'humilité de la côté acteur de la protection de l'enfance avec des programmations. Eh bien, lorsqu'il y a des programmes de réintégration pour ces enfants, eh bien, lorsqu'il y a des activités d'éducation, eh bien, sans qu'il y ait nécessairement toutes les informations techniques ou contexte technique en place, et ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, eh bien, cela entraîne un problème sur la qualité de ces programmes. Je vous donne un exemple. Nous avons, par exemple, des formations pour ces enfants. Nous allons ici les former dans différents domaines, mais cela n'est pas basé sur les besoins du marché, mais seulement sur la disponibilité des formateurs dans la zone où se trouvent les enfants, où on voit ici que les enfants sont formés, mais c'est tout. Ici, il n'y a pas d'autre soutien pour les enfants, pour pouvoir ici intégrer eh bien, le monde du travail, s'ils sont arrivés à l'âge adulte. Et je pense que là, encore une fois, il y a un manque d'expertise et d'autres organisations peuvent parfois avoir d'autres expertises et surtout d'autres connaissances dans ce domaine. Et parfois, il faut pouvoir justement eh bien, sortir de sa bulle et ne pas hésiter à aller voir d'autres experts. Donc, je ne pense pas ici que ce soit un secteur contre l'autre, mais au contraire, je pense qu'il serait important de mieux coopérer entre les différents secteurs, entre les différents acteurs, pour se concentrer sur les objectifs. Donc ici, nous voulons que ces enfants, par exemple, puissent ici vivre de leurs activités, qu'ils soient financièrement autonomes. Mais pour atteindre cet objectif, il va falloir s'appuyer sur toute l'expertise et l'expérience de différents secteurs. Nous savons que parfois, eh bien, ce sont des enfants qui peuvent être agressifs et que ce n'est pas facile de développer la confiance. Et c'est pour cela que les acteurs de la protection de l'enfance ici sont importants.
mais il faut ici pouvoir travailler ensemble. Et il faut reconnaître cette difficulté, accepter qu'on ne va pas perdre les financements ou le pouvoir ici ou l'autorité, mais qu'il faudrait une meilleure coopération. C'est une très bonne suggestion, Sandra. La conversation avec les autres secteurs doit s'améliorer. Sylvia, avez-vous une remarque à faire à ce sujet? Merci beaucoup, Elena. Cela me donne beaucoup de réflexion. Je me disais qu'il y a peut-être 4 domaines principaux qui peuvent être renforcés quand on y pense, en particulier sur le travail des enfants. La première, je dirais, est la coordination sur la réponse contre le travail des enfants, qui est une composante essentielle. Par exemple, nous soutenons la task force au niveau national en Jordanie et dans d'autres pays pour qu'ils puissent faire évoluer les choses dans la préparation, la gestion de la collecte des données, la planification stratégique, etc. Et l'une des actions clés est de décider d'une structure de coordination. Il y a des exemples qui concernent plusieurs secteurs et qui dirigent un mécanisme de coordination sur le travail des enfants. Et c'est un mécanisme que l'on peut renforcer et où les acteurs de protection de l'enfance peuvent rejoindre pour avoir une structure de coordination adaptée. Il y a également l'analyse et l'évaluation de situation. On sait qu'intégrer l'évaluation du travail des enfants à travers différents secteurs est plus efficace en termes de coûts. Cela permet d'avoir une image un peu plus diverse et complète des tendances et des réalités du travail des enfants. Cela peut nous aider à identifier des actions clés dans différents secteurs. C'est là où l'on voit des opportunités d'inclure des évaluations. Nous pensons qu'il est également très important d'adopter une approche harmonisée entre les différents secteurs avec des indicateurs clés communs, par exemple, partager les analyses et les interprétations. Le troisième domaine concerne la planification de réponse, et cela est lié à ce dont Sandra t'a parlé. Impliquer les secteurs humanitaires pertinents, les acteurs du contexte, cela peut être des acteurs de l'éducation, de la nourriture, donc de la sécurité alimentaire plutôt. Il faut reconnaître que les agences individuelles et le secteur humanitaire au niveau de leur groupe de coordination, doivent évaluer avec attention les mandats et doivent fournir des liens, dans certains cas, des services spécialisés notamment. Mais il faut faire cet exercice d'avoir un plan de réponse conjoint. Et mon dernier point serait de renforcer la mobilisation des ressources pour les actions critiques, notamment pour le financement. Dans le cas du travail des enfants, on voit que de nombreuses fois, il est très difficile d'avoir accès à des financements, même lorsque l'on a des preuves de la magnitude, de la sévérité du travail des enfants. Donc, l'idée serait peut-être de collaborer avec d'autres secteurs pour mobiliser des financements, mais également d'intégrer les acteurs de la protection de l'enfance dans une réponse plus large au niveau de différents secteurs et avec différentes stratégies et d'avoir des actions de plaidoyer conjointes et d'avoir des conseils dans nos boîtes à outils, par exemple. Donc, nous serions très heureux de vous aider ou de vous soutenir si vous avez des idées ou des suggestions. Mais voilà les 4 grands domaines où l'on pense pouvoir avancer pour avoir une réponse équitable entre les différents secteurs. Très bien. Vous pouvez envoyer vos réflexions, vos questions dans le chat. Il y aura un petit peu de temps après la prochaine question pour y répondre.
Quelques-unes sont arrivées dans le chat. Donc, il y a de nombreux défis, comme on l'a vu, entre les différents secteurs. L'historique du secteur ne va pas forcément dans notre sens. J'ai une question. Nos priorités au sein de l'Alliance est la protection de l'enfance et la redevabilité envers les enfants. Donc, nous avons créé ce lien entre les programmes intégrés multisectoriels et la redevabilité. Donc, est-ce que on peut ainsi avoir une meilleure redevabilité? Donc, je vais poser cette question difficile. Camilla, je vous adresse cette question. Oui, je vais essayer. Peut-être que je vais faire une introduction un peu plus large, mais je pense que la protection de l'enfance est intrinsèquement liée à l'engagement humanitaire et aux principes qui comprennent la redevabilité, avec bien entendu d'autres engagements comme l'inclusion, la participation, la centralité de la protection, etc. La protection de l'enfance nous permet d'avoir une fondation solide pour des actions pratiques pour éviter les situations à risque pour les enfants. 10 ans après le lancement, il nous manque encore des outils de redevabilité envers les enfants. Lorsque l'on parle de redevabilité, on ne peut pas s'empêcher de parler de participation et à quel point cela est clé pour atteindre la redevabilité. Participation est l'un de nos 10 principes sectoriels et nous devons vraiment nous défier d'une manière critique pour arriver au niveau en termes de programmation. Il faut investir dans de la participation équitable et significative des enfants à travers différents secteurs, dans les programmes intégrés, il faut vraiment prendre en compte les risques envers les enfants pour ne pas les mettre en danger à cause de notre action, mais également donc être redevable. Les outils comme, par exemple, investir dans une analyse commune, une planification commune, incorporer les points de vue des enfants ou des populations impactées, ainsi que d'avoir une approche collective, cela nous permettra de soutenir nos efforts pour atteindre nos objectifs. C'est une excellente réponse. C'est une très, très bonne manière de le dire. C'est une véritable priorité. Est-ce que d'autres intervenants souhaiteraient ajouter quelque chose à la réponse de Chiara? Sinon, nous avons quelques questions dans le chat. L'une des premières questions ou commentaires en parlant du CPMS, en ce qui concerne la définition et la terminologie, je trouve que parfois, lorsque l'on travaille avec d'autres spécialistes, d'autres secteurs, que nous utilisons souvent la terminologie mainstreaming, intégration, programmation d'une manière très différente. Et je trouve que cela est le cas dans le CPMS. Il faut faire une distinction et partager ces meilleures pratiques.
Cela est reflété dans le pilier 4 du CPMS. Donc, la question concerne la terminologie, les définitions et comment rendre les choses plus simples, finalement. Chiara, j'ai l'impression que je dois vous donner la parole car on parle du CPMS. Mais peut-être que je n'ai pas forcément de réponse pour David, mais c'est pour confirmer que nous avons des consultations dans le secteur. C'était l'un des points principaux pour nous en tant qu'acteurs de la protection de l'enfance. Nous avons vu dans ces consultations que les termes comme mainstreaming, intégration, réponse conjointe créent de la confusion. Cela amène des mauvaises compréhensions et amène à une perte de valeur. Et lorsque ces mots sont traduits en d'autres langues, il n'existe parfois pas la traduction littérale. Je pense que nous devrions garder en tête qu'il faut que l'on se comprenne bien mieux, notamment autour de la sécurité, la centralité de la protection, l'inclusion en termes d'âge et de genre et d'autres. Nous aimerions mettre en avant ce domaine de travail, c'est-à-dire repenser le langage et trouver un langage commun pour que l'on puisse communiquer entre secteurs. Oui, ceci est problématique, effectivement. J'espère, David, que cela répond à votre question un petit peu. Je ne sens pas que l'on a la baguette magique nécessaire pour cette question. Amanda, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui. Oui, je sais, vous avez dû voir sur mon visage que je réfléchissais. Alors, ce n'était pas tant la terminologie, mais je pense qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué en termes de barrière. C'est-à-dire que sans les ressources supplémentaires, et si tout le monde n'était pas si frénétique, il faudrait du temps et des ressources humaines pour pouvoir créer cet espace d'échange avec les autres collègues. Et je pense que vraiment comprendre le langage signifie également comprendre ce que font les autres collègues. Donc, je pense que dans notre message de plaidoyer, il faudrait s'assurer qu'il y ait les échanges et les ressources pour permettre cette fertilisation transversale pour développer des propositions de projets, pour trouver des synergies et voir comment fonctionner ensemble. Et grâce à l'engagement et au partenariat, alors on pourrait développer un langage commun. Donc, ce n'est pas une solution. Mais peut-être juste un aperçu pour se dire qu'il faut penser à la vue peut-être plus générale, plus globale. Merci. Oui, Amanda. Sandra, je ne sais pas si vous souhaitez également parler de ce point, c'est-à-dire la terminologie. Je sais que cela est très sensible. Bien sûr, par exemple, le terme CAFAG n'est pas forcément compréhensible pour de nombreuses personnes en dehors du secteur. Mais vous savez pourquoi nous avons changé le terme? Donc, c'est des choses que nous allons explorer dans les notes d'orientation avec les autres secteurs pour voir comment cela est compris. Et peut-être qu'il y a une meilleure manière d'expliquer pourquoi est-ce que l'on utilise cette terminologie complexe, ce qu'il y a derrière ça. Il faut réfléchir aux résultats. Qu'est-ce que l'on souhaite atteindre? Et à partir de cela, on peut remonter et voir comment atteindre ces résultats
tous les secteurs ont leur propre jargon. Donc, l'important, c'est de se comprendre lorsque l'on parle. Je voulais également parler de la responsabilité des bailleurs de fonds. Parfois, ils renforcent ces silos. Parce que même dans les propositions, le langage est toujours très spécifique pour un secteur, très divisé en silos, et ramener les secteurs ensemble n'est pas forcément facile. Par exemple, si je reviens à la situation du CAFAG ou des CAFAG, nous sommes souvent dans des situations de conflit où nous avons besoin d'échanger avec des enfants et de les impliquer dans des activités, par exemple des activités de subsistance. Et donc, nous avons ce conflit où les donateurs ne veulent pas inclure ces activités, ils ne veulent pas les intégrer à des projets pour aborder de manière complète les besoins des enfants. Je sais que c'est pareil pour le travail des enfants. Les enfants ne se soucient pas vraiment de savoir de quel secteur il s'agit. Ils ont des besoins et c'est notre responsabilité de satisfaire ces besoins et de rassembler les secteurs autour de la table pour répondre à ces besoins, tout simplement. Donc, ce n'est pas une vraie réponse, c'est plus une réflexion. Beaucoup de réflexions, effectivement, Alexandra. Sandra, pardon. Une autre question que l'on a eue, je voudrais la transformer un petit peu. Cela parle du rôle du secteur privé en disant que la chaîne logistique est cruciale. Y a-t-il des pratiques prometteuses pour qu'il y ait de la redevabilité en termes de code de conduite, de certification, etc.? Dans la programmation du travail des enfants, vous vous êtes confronté à cela. Mais si on élargit cette question, que font les compagnies privées pour contribuer à la programmation multisectorielle ou à la programmation intégrée? S'il y a des choses que le secteur privé peut faire. Merci Elena, merci pour cette question. J'ai des ressources que j'aimerais partager. Mais si vous êtes intéressé, je peux vous fournir des exemples précis. Par exemple, pour s'attaquer au travail des enfants, nous pensons aux acteurs humanitaires de développement à différents secteurs, mais également le secteur privé, bien sûr, dans de nombreux cas, pour réduire les risques, mais également souvent pour être en conformité avec des codes de conduite, des réglementations. Donc, il y a un rôle clé dans le fait de proposer des services de, par exemple, formation professionnelle, d'éducation. Il y a plusieurs actions clés où l'on peut inclure des employeurs au niveau de la prévention, par exemple, de la préparation, même au niveau de la sensibilisation. Quand on pense à nos paquets d'apprentissage, nous ciblons le secteur privé. Il y a beaucoup de contextes et de situations qui ciblent le secteur privé, y compris dans la formation sur le travail des enfants, même au niveau des définitions, pour expliquer certains contextes spécifiques. Il y a beaucoup de travail fait avec les employeurs, mais il y a bien sûr des exemples de développement de codes de conduite, par exemple, ou de plans pour des entreprises privées afin qu'elles puissent participer à prévenir ou répondre à la problématique du travail des enfants. Nous avons quelques exemples d'un consortium qui travaille dans plusieurs pays en Afrique sur les mines et d'autres industries. Et nous avons également l'un des membres de notre groupe de travail qui travaille dans l'engagement et l'échange avec le secteur privé. Donc, ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à rejoindre notre task force
pour explorer cela ensemble. ILO a développé plusieurs ressources et a énormément d'expérience dans le travail avec le secteur privé et les employeurs. Il y a un rôle clé à jouer et c'est un groupe cible très important pour s'attaquer à ces problématiques. Merci Sylvia. Il y a plusieurs autres questions dans le chat. Nous allons les regarder, mais je ne sais plus forcément d'où cela vient. Question la suivante. Je crois que travailler avec des leaders de communauté et soutenir les mécanismes de protection sociale, est-ce que c'est une approche qui est là pour tous les secteurs, c'est-à-dire travailler au niveau de la communauté, avec des unités sur le terrain, sur la protection de l'enfance et d'autres secteurs? Je sais que ce n'est pas une question très simple, donc si vous souhaitez prendre la parole, allez-y. Oui. Lorsque l'on a fait l'enquête en ligne, quelqu'un a déclaré qu'il est plus facile de se coordonner au niveau communautaire et local plutôt qu'au niveau plus élevé, c'est-à-dire au niveau des clusters, etc. J'ai trouvé que c'est très intéressant. Et je pense qu'effectivement, lorsque vous êtes au niveau de la communauté, la clinique est juste au coin de la rue, vous avez cette communauté, cette organisation basée dans la communauté qui fournit des services, par exemple. Donc, il est bien plus facile de rassembler les personnes pour se demander comment faire face à ce problème. Dans la capitale, essayer d'organiser une réunion avec les clusters, avec tous les directeurs, c'est bien plus compliqué. Donc, je pense qu'il y a un point d'entrée très puissant là pour rendre les choses plus pratique pour que cela fonctionne pour tout le monde à la fin. Nous avons tous ces cadres où il faut 3 ans pour se mettre d'accord sur les choses, alors que dans la communauté, tout le monde se rassemble autour d'une table et réussit à agir. Voilà ce que je souhaitais dire. J'adore votre réponse, Sandra. Je pense que c'était une excellente question de la part de Jacqueline. Oui, il s'agit peut-être du secret, c'est-à-dire partir de la base. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre ou apporter une réflexion? Les autres questions reçues parlent de cela aussi, l'établissement de mécanismes de protection de l'enfance au niveau de la communauté, la promotion de ces mécanismes au niveau de la communauté. Amanda, oui. J'allais juste dire que si nous souhaitons apporter la participation des enfants et leur voix dans les consultations sur la préparation des programmes et notre travail de plaidoyer, les enfants ne voient pas non plus les choses de manière en silo, disons. Je pense que c'est une très bonne manière de trouver des approches très pratiques et multisectorielles. Je pense que nous avons encore le temps pour un dernier tour de réflexion. Y a-t-il des dernières leçons apprises que vous avez retirées de vos interactions avec d'autres secteurs? Est-ce que vous avez des exemples jusqu'ici? Le silence. Je pense que c'est une question compliquée à débattre comme ça en quelques minutes. Oui, d'après notre expérience, en ayant testé la boîte à outils de CAFAG dont Giovanna a parlé, nous l'avons testé dans différents pays.
Et pour répondre aux besoins des CAFAG, il faut une approche multisectorielle, bien entendu, en particulier pour la prévention, mais également l'intégration. Nous avons remarqué qu'il s'agit beaucoup de réunions de haut niveau. C'est difficile de les matérialiser. Lors d'une formation, nous avons réussi à avoir le directeur du cluster éducation dans la pièce. Donc, nous avons eu toute une session. Pendant cette formation, cela nous a vraiment aidé de l'avoir pour parler du secteur de l'éducation et comprendre les besoins des CAFAG, les besoins spécifiques que nous devons accommoder. Et pour nous, cela a été intéressant également, car nous avons pu comprendre comment fournir des services d'éducation alignés avec les normes du secteur de l'éducation. Donc, il était très intéressant de ramener les deux secteurs autour d'une table et d'en faire une formation. Merci, Sandra. Merci à tous mes collègues, à toute cette équipe pour être venue aujourd'hui. Je voudrais rappeler quelques éléments à tout le monde. Merci à tous les participants pour vos commentaires, pour les interactions. J'ai vu qu'il y avait des discussions qui avaient lieu dans le chat. Il y a une discussion d'infographie sur Philo juste après. Si vous le souhaitez, pendant la pause, vous pouvez parler des initiatives qui ont été présentées dans la communauté de pratique. Il y a également 3 sessions supplémentaires suite à cela qui débutent à 45 sur différents sujets. Mais un concerne le fait de travailler entre différents secteurs. Donc, si vous aimez le sujet donc des programmes intégrés de ce sujet que nous venons de parler, vous vous êtes peut-être intéressé par cela. Il y a également un autre sujet sur la redevabilité envers les enfants et le conflit. Et il y a l'action participative pour la prévention, travailler au niveau multisectoriel et ensuite l'action climatique. Donc, des sujets qui vont arriver demain. Il y aura également des sessions sur ce qui va se passer pour la suite, pour les différents groupes de travail et les task force. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver tous et d'échanger avec vous. Merci à tout le monde pour votre participation encore une fois. Et passez une bonne fin de réunion. Merci, merci, au revoir.